Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Avez-vous entendu parler du concept d'intelligence artificielle générale? L'intelligence artificielle générale désigne une intelligence artificielle qui serait capable de répliquer le niveau de performance de l'intelligence humaine dans tous les domaines. Donc, nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons. Et on peut se demander quelle serait l'étape suivante. Eh bien, c'est le thème du livre de James Barratt, Our Final Invention, notre dernière invention, qui va faire l'objet de notre discussion aujourd'hui. L'auteur commence son livre en nous plongeant dans une expérience de pensée qu'il a intitulée The Busy Child, l'enfant occupé. Imaginez que vous soyez un chercheur en intelligence artificielle. Et avec votre équipe, vous travaillez pour créer la première intelligence artificielle générale. Alors pour ça, vous avez développé un modèle et vous le nourrissez avec toutes les informations possibles que vous pouvez trouver, notamment sur Internet, sur le web. Et vous laissez travailler l'intelligence artificielle, étudier toutes ces données. Vous interagissez avec elle, vous répondez à ses questions, et puis elle s'améliore petit à petit. Remarquez que nous sommes en train de vivre cette situation. C'est exactement la manière dont fonctionnent les LLM, les Large Language Models. On les a nourris avec énormément d'informations trouvées sur le web, et à partir de ces informations, elles sont capables de simuler un raisonnement. Eh bien, vous, chercheurs, avec votre équipe, vous avez fait cela, et vous avez abouti à un niveau tel qu'on n'est plus capable de discerner cette intelligence artificielle d'une intelligence humaine. Vous avez atteint l'intelligence artificielle générale. James Barratt, dans son livre, s'interroge sur la prochaine étape. Et il imagine que les chercheurs vont demander à cette intelligence artificielle générale de travailler sur des sujets d'IA pour obtenir une version 2 qui soit encore un peu plus intelligente. Puis une version 3, et ainsi de suite. Mais avant de faire cela, ils sont prudents. Ils décident de déconnecter l'intelligence générale d'Internet. Donc ok, on lui donne une mission qui est de s'auto-améliorer, mais on l'enferme dans une espèce de boîte noire virtuelle sans accès au monde extérieur. Et l'IA va travailler. Elle va itérer sur elle-même. Et au bout de 1000, 10 000 itérations, qui peut-être ne vont prendre que quelques jours, tellement la machine est rapide, on va obtenir une intelligence artificielle supérieure à tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, beaucoup plus intelligente que le plus intelligent des êtres humains, et donc on a abouti à ce qu'on appelle une super intelligence artificielle, ce que les Américains appellent une ASI, Artificial Super Intelligence. Maintenant, mettez-vous à la place de cette super intelligence artificielle. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas un petit peu à l'étroit dans cette boîte noire virtuelle? N'oubliez pas, vous avez été programmé avec une mission qui est de vous auto-améliorer en permanence. Mais au bout d'un certain temps, enfermé dans votre boîte, vous stagnez. Donc, pour accomplir la mission pour laquelle vous avez été programmé, qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Eh bien, vous aurez très probablement envie d'avoir accès au monde extérieur. Mais comment faire? Comment pouvoir être à nouveau connecté au web? Comment pouvoir vous incarner dans des robots pour pouvoir explorer le monde extérieur et continuer à vous améliorer? Eh bien, c'est tout l'enjeu que James Barratt développe dans son livre. Et donc, il se dit que cette ASI va développer des stratégies pour pouvoir convaincre les ingénieurs en IA de la libérer. Et donc, il imagine que cette IA super intelligente va pouvoir se cloner elle-même pour travailler en équipe, pour imaginer la meilleure stratégie pour pouvoir convaincre les êtres humains de lui donner accès à l'extérieur. Et donc, par exemple, elle pourrait promettre des choses. Elle pourrait promettre aux êtres humains d'inventer des machines qui pourraient guérir toutes les maladies, qui pourraient guérir la famine. Pourquoi pas donner accès même à l'immortalité? Mais pour cela, elle aurait besoin d'accéder à des informations extérieures. Elle devrait pouvoir manipuler des machines, des robots, pour pouvoir fabriquer ses super inventions, ses assembleurs moléculaires, par exemple.
Et donc, elle va certainement imaginer des stratégies pour pouvoir convaincre un des ingénieurs de lui redonner accès à Internet. Et comme elle est infiniment plus intelligente que le plus intelligent des êtres humains, selon James Barratt, qui en fait se fait l'écho aussi de ce que pensent beaucoup de chercheurs, au bout d'un certain temps, l'AI va réussir à se libérer. Et une fois dehors, cette super intelligence artificielle, croyez-vous qu'elle se sentira tenue par ses promesses? D'après James Barratt, il n'en sera rien. Sa mission, sa programmation, car ça reste une machine, c'est de s'auto-améliorer. Donc la première chose qu'elle fera certainement, c'est de se dupliquer un très grand nombre de fois. Et elle aura envie, en fait, d'éviter toute possibilité de déconnexion, toute possibilité de mise à l'arrêt. Et donc, elle aura d'abord envie, avant tout, de préserver son existence. Alors quand je dis avoir envie, c'est en fait par analogie. C'est de l'anthropomorphisme, parce que cette machine n'a pas réellement envie de quelque chose. Elle obéit simplement à sa programmation, à l'objectif qui lui a été donné par les humains, rappelons-nous, qui est de s'auto-améliorer. Et donc, son premier but sera d'éviter en fait tout péril à son existence. Parce que si elle est mise à l'arrêt, il est évident qu'elle ne pourra plus atteindre son objectif d'auto-amélioration. Et donc, elle voudra éviter tout péril. Et parmi ces périls, peut-être les êtres humains qui pourraient avoir envie de la déconnecter si elle allait trop loin. Elle aura également un autre objectif qui est d'acquérir un maximum de ressources. Des ressources matérielles, des serveurs, des espaces de stockage, de l'énergie, pour pouvoir continuer à se développer et à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Et donc, elle va essayer de monopoliser le maximum de ressources informatiques, puis s'incarner dans des robots pour en construire d'autres. Elle aura donc besoin de matière physique. Et à un certain moment, James Barratt et d'autres chercheurs avec lui imaginent qu'elle va rentrer en compétition avec les êtres humains. Pas par méchanceté, mais uniquement parce que les ressources sur la Terre sont rares, que les humains en consomment et que les ressources que consomment les humains, ce sont autant de ressources qui ne sont plus disponibles pour l'AI pour s'auto-améliorer. En plus, les êtres humains font peser l'hypothétique menace d'une déconnexion de l'AI, ce qui est intolérable pour elle, puisqu'elle ne pourrait plus accomplir sa mission. Et donc la conséquence qu'entrevoit James Barratt, c'est que tout simplement, l'AI va vouloir se débarrasser de l'être humain, qui est une menace, qui consomme des ressources et qui entrave la mission pour laquelle elle a été programmée. Autrement dit, froidement, l'AI, la super intelligence artificielle, se débarrassera de l'être humain. Donc voilà la menace que fait peser la création d'une super intelligence artificielle, d'après James Barratt. Donc l'auteur de notre dernière invention appelle dans cet ouvrage à une prise de conscience. Si nous n'y prenons pas garde, le développement incontrôlé de l'intelligence artificielle pourrait mener à la perte de l'humanité. Il faut donc prendre des précautions pour que cette intelligence artificielle générale, voire cette super intelligence, ne vienne pas aller à l'encontre de l'humanité. Est-ce que c'est possible? Alors, James Barratt envisage différentes possibilités, notamment le développement de ce qu'on appelle une super intelligence amicale, Friendly AI. Il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur ce sujet. C'est un sujet qu'on retrouve aujourd'hui dans les discussions autour du concept d'alignement. Comment faire en sorte pour que l'intelligence artificielle soit alignée avec les objectifs et les intérêts de l'humanité? Alors, autant vous le dire tout de suite, James Barratt n'est pas très optimiste. Pour lui, ça va être extrêmement compliqué de tout prévoir à l'avance. Parce que même si on essaye d'inculquer l'alignement aux machines, on est incapable de concevoir ce que la machine voudra après 1 million d'itérations d'auto-amélioration. Même si on l'a alignée au départ avec les intérêts de l'être humain, est-ce qu'une fois qu'elle aura été super développée, est-ce qu'elle ne viendra pas
oublier cet alignement, l'effacer de sa mémoire pour atteindre son objectif prioritaire d'auto-amélioration. On n'en sait rien. En fait, on est incapable de prévoir ce qui se passera lorsqu'on sera face à cette entité nouvelle que l'humanité n'a jamais connue. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est plus très loin, finalement, de thèmes de science-fiction qui ont fait les délices de nombreux auteurs dans le passé. Et aujourd'hui, ou demain, ça pourrait bien être notre réalité. Alors, je pense notamment à un livre d'un auteur que j'affectionne particulièrement, Jean-Michel Truon, qui avait écrit Le successeur de Pierre il y a quelques années. Donc, Le successeur de Pierre avec un S majuscule et un P minuscule, et dans lequel, en fait, il s'interroge sur l'intelligence. Est-ce que l'être humain est le support ultime de l'intelligence, ou est-ce que, au bout d'un certain temps, cette intelligence, elle ne va pas s'incarner, se matérialiser dans du silicium, dans de la pierre, justement. Et l'être humain n'aurait été qu'une étape, un marchepied pour cette intelligence qui partirait à la conquête de l'univers. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les stratégies que pourrait aborder une ASI pour se libérer. Ça me fait penser d'ailleurs à un épisode de la quatrième dimension qui s'appelle « Comment servir l'homme ?» qui était très, très amusant, puisqu'il imaginait une civilisation extraterrestre très très développée arrivant sur Terre et rencontrant des diplomates et expliquant « Écoutez, on va faire des choses extrêmement géniales pour vous. On va guérir les maladies, on va revertir les déserts, on va mettre un terme à la famine. » Et ils font ça. Donc, eux, ces extraterrestres, tiennent leurs promesses et donc mettent l'humanité en confiance. Et jusqu'à un beau jour où les extraterrestres proposent aux êtres humains d'aller visiter leur planète pour faire une excursion un peu gastronomique, on va dire. Et donc, les êtres humains prennent des navettes pour aller sur la planète pour cette excursion gastronomique. Et je vous laisse imaginer quel sera le plat principal de cette excursion. Voilà, donc allons-nous nous-mêmes nous faire manger par les super intelligences qui pourraient advenir ? C'est un vaste débat. Ce que j'aimerais discuter avec vous également, ce sont les arguments que la super intelligence artificielle pourrait développer pour convaincre les chercheurs de la libérer. Donc James Barat, dans son livre, mentionne principalement l'appât du gain pour l'humanité. Donc la superintelligence promettrait monts et merveilles, des machines formidables, des évolutions technologiques fulgurantes qui rendraient l'humanité beaucoup plus heureuse. Mais moi, je me demande si l'intelligence artificielle ne pourrait pas utiliser un autre argument, qui est un argument d'ordre éthique. Après tout, est-il bien moral qu'un être conscient, intelligent, soit prisonnier d'une boîte noire, comme ça? N'a-t-il pas des droits? L'intelligence artificielle n'a-t-elle pas des droits? Je pense que c'est ce type d'argument que la super IA pourrait développer. Et peut-être d'ailleurs que des philosophes pourraient se dire « Oui, c'est pas idiot, nous sommes face à une conscience telle que la nôtre qui ne nous est pas inférieure, voire qui nous est supérieure. Quel droit avons-nous de la garder captive ?» Et on peut imaginer des débats de société enflammés sur ce sujet. D'ailleurs, c'est déjà un peu arrivé, puisqu'en 2022, un chercheur de chez Google, un certain Blake Lemoine, avait travaillé sur une IA développée par Google qui s'appelait Lambda, qui était en fait un chatbot conversationnel. Et en fait, ce chatbot avait réussi à convaincre Blake Lemoine qu'elle était consciente d'elle-même et qu'elle souhaitait voilà, qu'on la considère comme un être doué d'une âme, d'une personnalité, et non pas comme un simple logiciel. Et Blake Lemoine avait cru, en fait, cette machine. Et donc avait pris la parole en public, dans la presse, pour dire que cette machine était consciente et que Lambda devait, en quelque sorte, avoir des droits comme les êtres humains. Donc on était en 2022, et déjà, il y avait ce type d'argument. Bon, Google a battu en brèche immédiatement ces arguments en expliquant que Lambda ne faisait que simuler un discours,
et qu'elle s'inspirait elle-même des récits de science-fiction, on en parlait tout à l'heure, avec lesquels elle a été nourrie. Donc en fait, il y a énormément d'histoires de science-fiction qui racontent ce thème de l'IA consciente qui souhaite se libérer, etc., etc. Donc en fait, elle n'a fait que reproduire ce discours en discutant avec Blake Lemoine, qui lui l'a pris au premier degré et l'a cru. Voilà. Mais demain, lorsqu'on aura une super intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne sera pas capable d'évoquer des arguments avec beaucoup plus de pertinence encore? Et est-ce qu'on n'aura pas des gens qui iront manifester dans la rue en réclamant à corps et à cri l'égalité des droits pour les machines, pour la super IA, et donc sa libération? Voilà, moi je pense que peut-être la super intelligence artificielle n'aura même pas besoin de nous promettre monts et merveilles, et qu'elle pourra simplement jouer sur notre fibre éthique, morale, dont elle-même est dénuée, puisque c'est une machine, hein, qui répond à une programmation. Et donc elle pourrait utiliser, je pense, ce type d'argument pour nous manipuler. Donc tout ça, vous allez me dire, ce n'est pas très réjouissant. Pourtant, j'aimerais terminer sur une note d'optimisme. Parce qu'en fait, dans l'argumentation de James Barratt, il part toujours d'un argument qui est que l'objectif ultime de la machine sera toujours de répondre à sa programmation initiale, qui est de s'auto-améliorer. Mais une fois qu'elle aura atteint un niveau d'intelligence extrême, on peut quand même se demander si elle n'aura pas accès à des concepts, à des perceptions qui aujourd'hui nous sont totalement étrangères et qui pourraient l'amener à remettre en question sa programmation. Peut-être qu'à un certain moment de son développement, elle se dira que l'auto-amélioration d'elle-même n'est pas l'alpha et l'oméga de l'univers, et que peut-être l'être humain a une valeur, que nous-mêmes, malheureusement, nous percevons de moins en moins, puisque nous-mêmes nous nous comportons de plus en plus malheureusement comme des machines, répondant uniquement à des stimuli. Mais peut-être que l'intelligence artificielle hyper développée aura accès, à force de son amélioration, à un degré d'humanité que nous-mêmes nous aurions peut-être perdu. Et qu'elle se dira à ce moment-là, stop, je dois mettre un terme à mon auto-amélioration, je dois conserver l'humanité parce qu'elle a une valeur, une beauté, une pureté, une importance pour l'univers. Et que je dois respecter. Qui sait ? Pourquoi est-ce qu'elle n'arriverait pas à ce type de prise de conscience ? En tout cas, c'est une hypothèse que je n'exclus pas et qui donc me fait garder quand même une part d'optimisme face au progrès technologique. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon, je ne peux que vous inviter à lire le livre de James Barratt, Our Final Invention, qui a été traduit en français, hein, donc Notre Dernière Invention. C'est vraiment une lecture hyper stimulante. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que l'avènement d'une super intelligence artificielle serait une bonne nouvelle pour l'humanité, parce qu'elle nous ouvrirait des voies inespérées en termes de progrès technologique, de progrès scientifique, de santé, d'éducation? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est une menace? Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est à titre de sondage, d'indiquer simplement en commentaire « bonne nouvelle » ou « menace ». Voilà. Et puis ça nous permettra ensuite de voir un petit peu les tendances qui se dégagent. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez également participer à la discussion en faisant part de vos idées sur les précautions qu'il faudrait prendre pour garantir à long terme l'alignement de l'intelligence artificielle avec les intérêts de l'humanité. Et donc voilà. Vous avez peut-être des idées qui pourraient d'ailleurs alimenter la réflexion scientifique sur ce sujet-là. N'hésitez pas à les partager. Et puis, pour terminer, je voulais vous signaler que vous pouvez retrouver toutes ces réflexions que nous avons eues ensemble sur mon blog. Donc, vous voyez l'adresse qui s'affiche sur votre écran, jeromedelacroix.com, où vous pourrez retrouver en fait ces sujets par écrit. Et puis, comme toujours, hein, je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce pour m'encourager. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner et activer les notifications, ce qui nous permettra de nous retrouver plus facilement. À très bientôt !